Ripo, cette génétique opéra de Darren Lynn Bousman qui porte décidément bien son nom, et le premier film en 12 ans que je quitte la salle avant la fin. Chapeau, merci. C'était super genre, mais... Le film qui m'a marqué le plus, c'est Grace, qui n'est pas un film vraiment accompli, mais qui est un film passionnant, qui sait attaquer l'organique. Et qui du coup crée des sensations aux spectateurs qui le regardent. My goal is always to tell a story that transcends and that lasts and that keeps you thinking. You know, I don't have any interest in making movies that are, you know, reliant on shock and gimmickry and novelty. I'm not interested in doing that. I want to make movies that make people think. Je partage pas forcément la vie dithyrambique de mes petits camarades concernant Grey. Je trouve que c'est un film intéressant mais assez raté, surtout formellement. Par contre, j'ai beaucoup aimé Midnight Meat Train, qui est une vraie patate dans la tête et qui est un pur film de festival, très années 80, très années 90, même comme disait Christophe Lemaire. Un vrai suspense, un vrai film horrifique, très tendu, qui remet un petit peu sur le devant de la scène Clive Barker, puisque toutes les thématiques liées à son œuvre sont parfaitement respectées ici. C'est vraiment une proposition de cinéma incroyable, avec des scènes gore phénoménales, mais aussi qui est superbement bien maîtrisée au niveau de la mise en scène, qui apporte plein d'idées visuelles qui pourraient être très extravagantes, mais qui sont maîtrisées. Il arrête ses plans séquences au moment où il le faut, il fait pas dans les esbroufes. Visuellement c'est formidable, thématiquement c'est incroyable, et c'est aussi un grand retour de Clive Barker, qui est un des grands maîtres du genre. Je pense qu'il aurait pas aussi bien réussi au niveau de la mise en scène que le travail de Kitamura qui fait l'adaptation. J'ai pas vu Morse, je l'ai découvert dans un autre festival, et je dois dire que c'était un choc. Ça renouvelle le mythe du vampire de façon totalement originale, et surtout c'est un film assez étonnant, on dirait un film de vampire filmé par Ingmar Bergman. It's not interesting to tell a story with the tools from other filmmakers, you know, to use the images and the style of other filmmakers. The morality of the story is very original, because I think that the most original part of the ending is that if society cannot accept Oscar as he is, he leaves society. Il n'y a pas une once de gras dans ce film, il n'y a pas une seconde achetée, c'est-à-dire que tout est au cordeau, c'est totalement hallucinant, quoi. On rentre totalement dedans, c'est vraiment une vraie découverte, vraiment originale. Le côté sale et le côté dérangeant, ça fait partie du fantastique. Grace et Splinter sont deux films qui sont très sales. Voilà, c'est-à-dire, il y en a un qui est sale parce que cette espèce de créature avec des épines partout, on ne voit rien de ce qui se passe, c'est absolument horrible, c'est charnel, c'est dégueulasse. C'est important qu'un film comme ça existe. Et Grace a un sujet beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, etc. Mais il est sale aussi, il dérange. Et j'aime beaucoup ce côté-là dans Grace. Au-delà de ses qualités cinématographiques, j'aime bien ce côté qui dérange. Parce que, par exemple, Sona, qui est un film que j'aime beaucoup, je suis l'un des rares, est un film qui est très propre. Donc ça, finalement, tout le monde peut le voir, aussi bien, on va dire, positif que, je sais rien moi, L'écho des savanes ou New Look. Mais, par exemple, un film comme Splinter ou un film comme Grace, c'est déjà... Ça va faire chier première, quoi. Voilà, clairement. Je suis né avec 5 clitoris, c'est la première phrase de Bad Biologie. 7. Et rien que comme ça, déjà, c'est un chef-d'œuvre. C'est intéressant de faire un parallèle, peut-être, entre Frankenstein l'auteur et John Landis, justement, parce que Frankenstein l'auteur, lui, c'est de l'horreur pure, on va dire, de l'horreur grindhouse, style 42e rue, en fait, avec justement une touche d'humour et toujours une espèce de fascination comme ça pour la sexualité un peu déviante, et c'est ce qu'on trouve justement dans Bad Biologie, qui est un film techniquement assez approximatif, mais finalement, on s'en fout un petit peu, puisque le propos est bien ailleurs, et c'est assez intéressant puisque ça parle de l'impuissance masculine et de la compétitivité absolue justement de la sexualité masculine. Il faut dire une chose, le cinéma dit d'horreur en général c'est débile. C'est des trucs pour des débiles mentaux, des gens qui ont 12 ans d'âge mental, enfin un peu comme mon voisin, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour aimer ça, faut vraiment être stupide, quoi. C'est vraiment, c'est l'évasion dans l'imaginaire des adolescents, le cinéma fantastique.